Ça va en faire des épisodes. Ça va en faire des épisodes, mon Dieu. Bon, allez, on y retourne, on y retourne. Prespi. Prespiro. Pas best of cette map? En vrai, si. Bien joué, bien joué, bien joué. Heureusement que ça suit, heureusement que ça suit. C'était quoi le nom de la map déjà? Shaker. Non, Shenanigans. C'est quoi déjà? Je connais ce mot. Pourquoi je connais ce mot? C'est quoi un Shenanigans? Oups. C'est quoi un Shenanigans? Je sais plus. Salut Xavier. Manigans. That's true. Manigans. Ou. C'est un autre mot aussi, mais oui, maintenant je vois ce que c'est. J'ai l'équivalent anglais. Enfin, l'équivalent français. Ah, le GPS, c'est par Elia. Oh, il est trop mignon. Ah, il est trop mignon, ok. Mesdames et messieurs, vous vous souvenez de Prespi? Est-ce que vous vous souvenez de la particularité de la dernière carte de Prespi? Est-ce qu'on lui avait demandé? Est-ce que vous vous souvenez? Salut à toi, Didi Lapince. Merci pour ton follow sur Twitter, by the way. Je l'ai vu tout à l'heure. Sympa, ça, en vrai. Ah, si vous n'en souvenez plus, vous allez me décevoir. Intéressant comme passage, ça. Map avec sa fille, exactement. Et est-ce que vous avez... Du coup, est-ce que vous pigez le nom... Le nom du... Enfin, le Media Tracker? Ça va être trop bien. Ça va être trop bien. Parce que... Oh, c'est trop beau. Parce qu'il a marqué GPS by Ilya, je crois. Donc ça doit être le nom de sa fille. Je pense que c'est le nom de sa fille. Il a mis beaucoup de rings. À mon avis, il aurait moyen de faire mieux. Pourquoi il a mis des rings? Pourquoi il a mis ce ring? Bon, d'accord, en vrai, il a un peu mix-mappé partout. Donc, peut-être sa fille qui a décidé de mettre des trucs, je sais pas trop. Ouais, elle a 5 ans, sa fille. 4 ou 5 ans, ouais. Du coup, c'est bien ça. Hein. Attends, j'aurai son prénom. GPS Ball Elia. Ah, il est trop mignon! Ok, ok. Alors, c'est ouf. Ah, c'est trop ouf, en vrai. C'est incroyable. Mais non. Mais mec, elle sait juste pas drifter, en fait. Oh, ça anticipe et tout. Mais attends, elle joue trop bien. C'est une Sanity qui joue, quel bâtard. Non, mais attends. Non mais attends. Mais est-ce que ce serait pas un niveau bronze à la TMG à l'OpenGL? Bon, je pense pas qu'elle serait capable de faire ça sur 6 tours, mais en vrai. Mais c'est insane. C'est Victorio. Attends, mais c'est insane. Ça passe les gears et tout en plus, hein. Bon, à mon avis, c'était pas fait exprès, mais. Ouais, en vrai, elle connaît. Elle utilise juste pas la touche fin. Mais c'est très propre! Faudrait qu'ils me disent combien de temps elle a traîné la carte. On remet le GPS, non, mais attends, c'est ouf! Sous-destiné bronze, vous voyez, je rigole. Après, elle serait forcément bronze à l'OpenGL, hein, qu'on se mette d'accord. Oui, au du panier, oui. Je suis derrière elle, hein. Accessoirement parlant. Et je suis encore derrière elle. Trop fort. Attends, je peux regarder du coup. Ah, mais c'est fou. Ah, c'est très propre. Franchement, je suis étonné.
Ah, c'est ouf. J'ai Lunar à 15 ans. Ah, elle gère bien l'airtime et tout. Non, franchement, c'est très très propre. Putain, même en dirt et tout, elle gère, quoi. What the fuck? Mais what the fuck? Non, mais attends, mais c'est fou. Ah bah écoute, moi je le prends bien, Nefarox. Non, mais attends, c'est incroyable. Je suis. Franchement, là, je suis choqué. J'en mets une fois, je m'en fous. C'est trop. Ah oui, c'est trop mignon, tu sais. Tu imagines, tu sais, les petits doigts comme ça qui met des petits à-coups sur le clavier. Je trouve ça incroyable. Ah, c'est trop beau. Oh, quelqu'un pourrait me clipper tout son run. Je le mets sur Twitter direct après. Ah, mais c'est trop. Eh, c'est trop mignon et c'est trop bien fait. C'est trop mignon et c'est beaucoup trop bien fait. Non, non, ça me donne quand même pas envie d'avoir des gosses. Mais ça, bah ouais, c'est trop. Genre, je suis content là. Ah, mais elle a trouvé les poteaux et tout. Bah ouais, c'est fou. C'est fou. Ouais, elle joue vraiment au clavier, c'est sûr que c'est clavier. De toute façon, en vrai, avec des 25 ans, tenir un pad de PS4 ou même Xbox, enfin, Xbox c'est impossible, mais PS4 c'est dur, tu vois. En vrai, parce que la manette elle est grosse. Pour aller atteindre les boutons et tout, trop dur. Non, je suis forcément clavier. Ça se voit au niveau des à-coups de toute façon. Mais regarde-moi quand on prend des temps de dirt en vrai, c'est trop stylé. On pense pour moi avec une licorne, tout de suite, tout de suite. Non, mais c'est ouf. Ouais, c'est trop stylé. Les claviers sont des Master Race. Ah ouais, c'est. Bah, mais franchement, elle gère très bien le dirt au clavier, c'est fou. Mais attends, mais tu te rends compte du virage qu'elle prend à la fin? Attends, le. Ah, mais attends, c'est ouf. Parce que le banking, encore, bon, c'est une trash qui est particulière, mais celui-là, elle le prend beaucoup trop bien. Le 180 là, bon, la première partie est simple, mais la deuxième est pas si simple et elle le gère parfaitement. Bon, après, elle est pas à fond, ok. Mais elle le gère parfaitement bien, les timings de release et les timings sur du droite là, le spam droite, mais attends, c'est trop beau. Oh là 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 là, mais Elia la king! Elia la king, genre! Oh là 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 là! Trop bien. En gros, il y a Prespiro, donc un viewer habitué de la 6X Télévision, qui a eu une enfant il y a peu de temps, qui maintenant aujourd'hui a 4 ans, à peu près. Et en fait, au dernier Test Mirror, elle avait fait une map. Il avait laissé créer une map. Et elle avait mis quelques parties random et lui, il les avait reliées. Et en fait, je lui avais dit que moi, je voulais voir sa fille jouer. Et du coup, il m'avait dit, ok, mais sa mère est pas d'accord pour qu'on mette une map sur un serveur et que moi, je suis en train de streamer et que lui ramène sa fille. Donc du coup, ce que je lui avais dit, c'est au pire, ce que tu fais, tu crées une map ou elle recrée une map et tu la laisses rouler de GPS. Ok, c'est ce que je lui avais dit en gros. Et donc là, c'est ce qu'il a fait. Donc c'est lui qui a fait la map, c'est Prespi qui a créé la map, ça c'est sûr. Mais c'est du coup c'est sa fille de 4 ans qui sur son ordinateur a fait le GPS. Enfin, il a record son run et il l'a mis en GPS. Oh, c'est trop beau. Quant à l'or, c'est trop beau. Faudra que je lui demande en combien de temps sa fille elle a fait ça. La prochaine fois qu'il sera sur le chat, c'est lui notre manière. Je l'ai remis une dernière fois. Je suis obligé, j'aime trop. Oh là là, mais que c'est smooth, que c'est beau. Parce que du coup, ouais, comme il n'y a pas les timings de frein en vrai, et dire que quand j'ai commencé Trackmania, je jouais pareil. Je jouais sans freiner, que avec du release. Parce que freiner, c'était trop dur à gérer. Du coup, je faisais que du release. Et je te dis ça, et j'avais 18 piges, donc... comme quoi... Oh, c'est fou. C'est un truc de fou, sérieux. Attention, non mais là c'est masterpiece. T'es pas, elle est à fond là. Mais regarde, la courbe en vrai, elle est parfaite. Bon, elle est un peu trop inter encore. Elle pourrait se laisser un peu plus aller sur la fin du turn. Mais la courbe, elle est trop bien. Genre, c'est ouf comment elle a appris à jouer en dirt très vite. Enfin, en tout cas, à avoir les bonnes lignes de dirt, genre.
Oh, c'est incroyable. Merci Prespit pour ce partage. Trop bien cette carte. Trop trop bien. Bon, après la carte en elle-même, j'avoue, j'ai même pas jugé. Mais en vrai, elle est cool. Même si elle aurait pu être mieux, notamment sans toute l'exa sur la route. Mais du reste, putain, je suis archi content d'avoir vu une enfant de 4 ou 5 ans jouer à Trackmania. Sur une map faite par son père. Ce qui est encore plus beau. Ah, dommage, j'ai pas réussi. Ouais, moi aussi, ça me choque pas plus que ça, mais je trouve ça vraiment ouf. Parce qu'en vrai, je me rappelle de la vidéo de Gwen sur Twitter, c'était pareil, c'est quand il avait 4-5 piges. Donc en vrai, si elle y joue assez régulièrement ou quoi, c'est totalement probable qu'elle puisse bien se démerder. Hein. Parce que Trackmania, c'est vraiment un jeu qui est pas difficile à prendre en main, juste. Donc tu termines pas n'importe quelle carte, mais tant que t'as pas besoin d'utiliser ton frein. Et que c'est pas non plus trop précis au niveau des timings de décélération. En vrai, normalement, tout le monde peut terminer une carte très facilement. Genre. E03, ce serait. Enfin, E03, ouais, E03 serait peut-être un peu plus difficile, mais là, en vrai. Ouais, je m'en doutais. Je sais pas pourquoi, je me suis quand même dit, je vais y aller tout droit. Bientôt, il y a en Pro League. Bah, accessoirement, ouais. Je t'en remercie, Reza. Cachant, je peux pas. Ok. Ah, du coup, il y a un CP dans le. Bon, je recommence. Il doit y avoir un CP dans les loops. Ouais, il y a un CP à la fin du loop. Open World League, je suis 21ème. J'ai aucune chance de faire un top 8. Donc, je vais juste jouer du mieux que je peux. Enfin, continuer à jouer du mieux que je peux et rester dans le. Si je peux faire du top 15, ce serait cool. Si je peux faire un top 15, ce serait déjà cool. Par contre, je me demande combien de serveurs de gold il y a. Putain. Je me demande combien de. Ouais, il y a encore le gel cette semaine. On est qu'à la step 3, nous. Bah, je joue samedi. Samedi 17h. En vrai, ouais, je me demande combien de tableaux de gold il y a. Parce que j'étais très étonné du niveau du tableau gold la semaine dernière. Parce que la semaine dernière, j'ai choqué le seeding. Enfin, j'ai choqué le seeding. Non. En vrai, on savait pas comment le seeding était fait, donc moi j'ai joué comme si. J'ai joué d'une certaine manière qui n'est pas adaptée en vrai au seeding. J'ai un peu le seum. Salut Skipule, ça vient toi? Ouais, la map elle est linéaire en vrai. C'est vrai. Mais elle est pas moins intéressante non plus en vrai. Arcadem. Ah, mais c'est Arca! Oh! Ah oui, c'est comme ça qu'il fallait faire le start, j'avoue, c'est beau. Ok, le start est intéressant. Je vais try. Ah ok, vas-y, go. Il est quelle heure, moi, là, mec? Il est 23h17. Enfin, je vais peut-être finir vers minuit, minuit et demi. Je sais pas si je ferai du Legends of Runeterra, si je vais traîner la TMGS, si je vais traîner la LES. J'ai beaucoup de choses à tryer en ce moment, c'est chiant. Ce virage là il est mauvais parce qu'en plus on peut pas drift dedans si tu sais pas no drift en vrai. En vrai bon, ça va. La fin ça va. Il y a juste en vrai le bitmap où on comprend pas trop ce qui se passe parce qu'il y a rien en fait. C'est un peu vide. Mais sinon du reste, c'est une map fun. C'est une map fun. Passage hors 4. Oh bien joué. Moi je suis. Non, je suis encore bronze, moi. T'es déjà or? Mais gros, t'as commencé quel rank? Moi, j'aime beaucoup les Legends of Printer. Un TCG. TCG. Ah, je sais.
Il y a peut-être un bloc patin juste avant le bumper, ça aurait été cool, parce qu'on aurait pu, viser derrière. Ouais, je suis d'accord avec toi, Spock. Mais là, il y en a pas, de toute façon. Il y en avait pas sur la map. Space Fun, donc du coup, ouais, donc en vrai, c'est une map cool, mais. Map trop linéaire. Pour qu'elle soit vraiment sympa à jouer. Z Darius, là, full aggro, je kiffe. Ah, tu joues, quoi? Noxus Ionia, du coup, j'imagine? Si t'es full aggro. Ou Fred Jord, histoire de heal les unités. Ah bah non, tu dois jouer heal obscur, comme ça, tu tues des cartes, après, tu mets surpuissance et t'as gagné, quoi. Non, Ionia? Ok. Quoi? La ressemblance avec Hearthstone est décevante. J'ai pas joué à HS, donc du coup, I can't tell. Mais après, bon, le problème, c'est que c'est un TCG. Enfin, un TGC. TCG. Donc du coup, comment tu fais? Pour pas avoir de ressemblance avec Hearthstone. Après, si t'es un expert de TCG, nevermind, parce que tu dois connaître le sujet mieux que moi. Mais... Quoi? TMB, c'est le Testing Map Viewer, PDT. C'est un pseudo sympa que t'as là. C'est très loin d'Hearthstone. Ah, voilà, donc les gens qui s'y connaissent disent quand même le contraire. Parce que moi, pour le moment, on m'a dit justement que c'était pas du tout comme Hearthstone. Ah ouais, d'accord. Un Magic, on rappelle, ouais. Un peu de toi et tu verras, on te plaindra, ça n'a pas de prix. Merci beaucoup d'Estor Ostomain pour ton recel et ton quatrième mois d'abonnement, cher ami, comment vas-tu? C'est quoi ce Star 3 Hardcore là, what the fuck? Bah en fait, non, non, Napo, ils peuvent pas faire ça. En fait, ils peuvent pas faire ça parce que... Bah parce que c'est mieux à lire, en fait. C'est juste plus simple à lire. Et c'est accessoirement logique. Parce que tu verrais qu'il la mettre en quelle couleur? T'es quoi le start? Bah non. C'est le, y a des fois il y a des designs, des couleurs, etc. qui sont pas pensés pour être pareils ou différentes, mais juste parce que c'est ce qu'il faut utiliser pour que ce soit lisible et que ce soit pas perturbant et que voilà. Ah mais c'est incroyable ce start. La barre des HP dans LoL est verte, mais elle est en or quand t'es en mode daltonisme. Après, c'est un MOBA. Par contre, le niveau des personnages est marqué en blanc. Ce qui est à mon... Parce qu'en vrai, là, quand tu attaques avec une carte, la barre d'HP est verte. Enfin, la barre de l'AD est vert. Les dégâts pris sont en rouge. Enfin, je crois. Et quand tu retires des trucs, c'est marqué en bleu. Ouais, le start est vraiment difficile. To the left. Ah, moi, là-dessus, je peux pas me tromper. Alors là. Pourquoi? Je ne sais. Je suis dans le mauvais sens. Non? Pas dans le bon sens. Parce que là encore, enfin, Legends of Runeterra est encore en bêta. Je comprends rien à la map. Mais attends. Mais... Y'a un problème! Où est-ce que je suis censé aller du coup?
Pas censé aller là, je peux pas. C'est pas clair. Ah, pour ma défense, c'est pas clair du tout. Je comprends rien à la carte. Je comprends pas comment elle est faite. Pardon? J'imagine que je dois sauter à droite. Ouais, non, à gauche. Ouais, j'avais raison. Là, je passe là. Ouf, ok, j'ai trouvé. Y'a un GPS ou pas? Ouais. Ah, vache. Alors, fais voir. Ouais, ce qu'il allait dire là, il faut jump over. Ce qui semble du coup beaucoup plus legit. Ouais, ça c'est vraiment pas clair par contre. Je comprends pas. L'app est bien, mais pourquoi utiliser autant de rings? Ah, d'accord, c'était pas fini. Pourquoi il me fait passer en cam 3 alors? Donne un peu de toi et tu verras, on te le rendra. Ça, ça n'a pas de prix. Il y a un oubli là. Putain. Ah, mais les gens sont des gamins! Arrêtez! Vous me tuez, putain! Merci beaucoup. Oh, il y a Aziz, le 8ème mois, let's go! Let's go, merci beaucoup, mec, comment ça va? Mais c'est une map qui est difficile. T'as l'ambiance, c'était obvious. Ah ouais? C'est l'une orque, ça. Ah ouais, je suis pas sûr. Hein. Fuck. Mais j'ai pas compris pourquoi il a mis un ralenti. Wow! Et en pénal, il chie dessus. C'est pas fou, il aurait fallu mettre une surface supplémentaire pour qu'on puisse avoir un truc smooth. What? Ah. Ça va être une scène, mais nope. Ouais, ouais. Mais attends, mais... Alors, en fait, j'ai du mal avec ce genre de map, gros. Il aurait fallu mettre deux lignes de plaquettes, ça peut être cool. Ça par contre c'est de la merde. Comment il fait sur le GPS? Attends, c'est chelou. Ça, c'est une trash spéciale qui est faite pour quand t'as pas de speed.
Ah, du coup, maintenant, je suis en cam 1. Ah, j'ai... Oh. Ah, je pourrais pas faire de... Wow! Je suis déçu. Tu m'as attendu. Ah bah, il était refait. Bon, sa fin, elle est intéressante, en vrai. Mais, je sais pas. Ouais, c'est ça, c'est une trash qui est faite pour quand t'as pas de speed. Aïe 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 aïe. Bon, j'ai pas encore compris pourquoi il y a des changements de caméra. Ok. Et là... Oh, ah, il me tue, putain. Il me tue. Après, l'app, elle est cool, en vrai. Juste un problème, c'est que bah, y a un moment où si t'as moins de speed, tu passes, et si t'as, pas de... si t'as trop de speed, tu passes absolument jamais. Ça, c'est dommage, quand même. C'est dommage, quand même. Mais bon. Ça arrive, ça arrive, ça arrive. C'est peut-être un oubli, c'est peut-être voilà, une mauvaise lecture de trajectoire. Ce sont des choses qui arrivent dans Trackmania, il faut le reconnaître. On peut être parfait sur toute l'app. Jolie ambiance. Sublight de Raging. Bah vas-y, ça part. J'aime bien l'ambiance. J'ai pris un slowdown de No Start, je suis pas content. Attends, c'est quoi l'idée du coup? Faut que je... Quoi? Eh, je peux avoir des way obvious ou c'est chaud? Ah, c'est... Non, c'est un coup frein après. Ah non, c'est une rouille. Ouais, t'es obligé de la prendre. Quoique... Quoi? Mais qu'est-ce que c'est que ça encore? Mais... Salut Dizrod. C'est un retouche que tu me dis ou... Ouais, j'oublie. Ok. Mais il y a un problème sur la première partie de la map. Le problème étant qu'elle est dégueulasse. Mais je vais y venir parce que il faut. Ok, ça c'est nice. Il faut le préciser. Oh, par contre, le mix map ici il était pas fou. Ça, à la rigueur, ça peut aller. On va où? Les transitions par contre sont sympas. J'ai beaucoup aimé là, la transition d'Earth qu'il a fait. Je me demande d'ailleurs comment elle est foutue. Et merde. Hop. Non mais là, pas les stylés, hein. Moi j'aime beaucoup. Parce qu'il n'y a pas non plus trop de lumière en vrai. Elle est très jolie, elle est bien faite. Juste dommage, il y a le start qui pue. Oh, j'ai presque eu. Bon, j'avoue, ce serait bien quand même d'avoir de quoi viser à la fin. Donc j'imagine que tu peux sauter. Non, c'est quoi? C'est là-bas, non? Ouais.
Ok. C'est un peu la map de tout le monde. Ok, j'ai compris pourquoi j'ai pris un sous-zone tout à l'heure. Ça sert à rien. Ok. Yori Wos, comment vas-tu? Mais du coup, Dizrod, t'es venu juste là pour me balancer ce message et te barrer? Parce que non, est-ce que je me tape, ça atterrit directement là et... aller chercher ça, mais le problème c'est que je prends pas les boosts. Je comprends pas trop le start. Pas trop égale pas du tout. À moins que je puisse aller directement ici. À mon avis, ouais, il doit y avoir un truc que j'ai pas forcément compris. Mais ça par contre... ça c'est what the fuck. À moins que... attends. Y'a pas moyen de faire mieux genre? Non. Ouais non. En fait c'est ça, le seul truc que je comprends c'est pourquoi... pourquoi ici, il veut absolument qu'on fasse un half pipe. Ah c'est pas un... ah d'accord, je viens de comprendre. Ok, je viens de comprendre, c'est bon. T'es tellement de fois... ah d'accord, oui bah j'imagine. Après c'est parce que Clem joue sur les mots, mais au final il a fini par passer 8 teams. Putain. Ok. Ah, oh, nice. Faut juste que je regarde un truc parce que j'en ai marre. Alors. D'accord. Parce que sinon, c'était vraiment pas plaisant à jouer. Bon, là, il y a une mécanique originale. Nécessaire, je sais pas, mais... ouais, faut quand même release. Mais bon, pourquoi pas? En vrai, pourquoi pas? En gros, dans l'idée, faut y aller à fond pour ensuite prendre ça correctement et... ah, les blocs USL, fuck! Bon, ok. Bon, à partir de là, sinon, le reste de la map est très propre. En vrai, j'aime beaucoup. C'est plus... je suis possédé. C'est plus contemplatif que vraiment un truc à hunt, mais... ça se hunt tout à fait. Donc, let's go. Les couleurs qui suivent, c'est une traînée. Rigolez si vous voulez, c'est une traînée. Une traînée. Traînée. Une traînée. Voilà. Tu mets traînée, tu les actives et après tu mets les couleurs que tu veux. Directement dans Media Tracker sur le machin. J'ai mis masse déco. Ouais, bah ouais. Bah en vrai, sans la déco, t'as pas été linéaire, je vais pas te le cacher. Parce que tu vois, c'est 180 jump ou ligne droite généralement, ce que t'as, c'est à peu près. Là, tu vois, pareil, longue ligne droite, 90 gauche, et tu, après tu me remets une longue ligne droite. Enfin, un gros jump, tu vois. C'est souvent comme ça en vrai. Ouais, tu peux l'avoir en roulant aussi si tu l'actives directement. Tu mets juste un bloc et tu mets activé traîner, genre. Mais il y a des transitions qui sont très intéressantes en vrai, j'aime bien. Là, hop, elle est cool en vrai. Elle est belle et tout. Mais c'est, pour moi, tu vois, par exemple, ce serait ce que j'appellerais une map pour débutants, tu vois. Une map sympa, avec de longues lignes et tout. 2-3 tricks assez sympas sur toute la carte. Mais sans plus, tu vois. Même si pour le finish, t'aurais quand même dû mettre un bloc de repère, tu vois. Parce que là pour toi c'est peut-être obvious, mais tu vois quand t'arrives sur la carte et que tu connais pas, en vrai tu peux être... parce qu'il y a juste pas 7 plus une traînée. Ouais j'avoue, ça peut être stylé. Donc j'ai exploré les possibilités de mapping, d'accord. Mais écoute c'est réussi en vrai. Enfin en tout cas moi de mon point de vue c'est réussi, c'est cool, c'est tout joli, c'est tout beau. Tech. Vive le tech, fuck les cubes. Après win. Ah il me reste plus que 3 déjà. Enfin 4. Bah c'est cool. Bon ouais ça va, je vais pouvoir terminer dans ce... ok. Pff, wow, c'est moche. Oh là là. Ok, c'est moche. La peau. Ah, la peau. What? Et t'as appelé ça comment? Tech. Ah, hein.
Alors je sens que ça va pas être du tech. Pourquoi j'ai pas de musique, je sais pas. Ok. On va là. Quoi ? Ah ah ! Bon ça, j'ai raison, c'est pas du tech. Yes, non, je recommence pas, merci. T'avais 200 Edge. Ok. Ah, t'es sur mobile. C'était façon Zerator. Ouais, c'est un peu l'idée. C'est expandable. Je suis content. Oh, je suis archi content. Ah, les maps paris spawnables, quel enfer. Yo fuckboy, bien ou quoi? Ça c'est la pire erreur de mapping à faire, genre. Oh non, je suis... Hein? Mapping à la thème turbo. Comment ça? Pourquoi? Ah, à cause des panneaux en tout genre et tout là? Là. Et si ça trouve c'est pas là qu'il faut aller, je sais. Si, ça a l'air quand même de l'être. Ouais, donc du coup, en gros, c'est pas parce que tu mets des drifts dans une map que de la map est une map tech. Faut le savoir, c'est important. Oh, mais quel enfer. Bah écoute, moi là je suis pas très content, mais ça va. Quoi? Bon, j'imagine que c'est ce que j'avais vu du coup. Waouh. Ah ouais, il y a des trucs qui vont pas du tout dans la carte. Mon dieu. Alors fais voir quand tu la joues. Ah merde. Bon, je peux pas juger ça quand étant une map tech parce que sinon c'est pas possible. Crave boarding mon pote. Ok. Ah, du tech sans drift, c'est exactement ça. Je suis en train de me dire pareil en vrai. C'est du tech sans drift. Quand t'étais à 200 à l'heure. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Tu l'as fait quand t'étais à 200 à l'heure. Ah, 200. Putain, je sais pas, j'ajoute des mots dans mon message. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Je sais pas, bro, je suis cassé. Ok, tu as fait quand t'avais 200 heures de jeu. Donc du coup, tu sais que ta map, elle pue. Concrètement. On est d'accord ou pas? Parce que je sais pas combien d'heures de jeu t'as maintenant, mais on est d'accord que tu sais que ta map, elle pue de base. En tout cas, si tu la considères comme étant une... Ouais, non, dans tous les cas, c'est pas fou. En fait, c'est une bonne map pour débutants, en vrai, tu vois. Pas hyper intéressante, mais qui joue bien. Ah, merci Little Banner pour ce ratio. Aïe. Bon, tant pis.
Faut James sur les lumières. Je sais pas, gros. Mais en vrai, bon. Bon, je pense qu'il n'y a pas besoin de d'extrapoler en vrai. La map, elle est pas ouf. En plus, t'as raté ton pudding. Celui-là, il est un bloc plus bas que les autres. What the fuck? Et ils font. Parfait pour le surf TTS. Non, à mon avis, elle est trop nulle pour le TTS. Ça m'énerve de pas avoir de musique en vrai, c'est pour ça que je la skip. Mais bah, je sais pas. Parce qu'en vrai, elle est linéaire as fuck. Il y a aucune mécanique de jeu. Il y a trois landings pourris. Parce qu'il y a un blind jump plus un landing pourri plus un autre blind jump. Avec le finish. Et voilà. Et la déco, elle est infâme. C'était pour voir la vie. Bah voilà. Si tu voulais que la vie, voilà. En vrai. Attends, du coup, maintenant, j'ai envie de release. Je vois que j'ai un début habituel. Ok. Mais il fallait que je continue, non? Ah non, faut l'en de là-bas. Ok. Wow, c'est dur comme start. En fait, non. Là, je commence à fatiguer là. Mon cerveau, il en a marre de découvrir des maps, je crois. Ou alors c'est vrai. Ouh. C'était original. Attends, je vais suivre un slowdown encore. C'est ouf. Ah, ça, c'est intéressant. Ben non. Du coup, j'ai dû me tromper. Fallait aller en haut. Ouais, ok, j'avais pas vu. J'avais pas vu le deuxième. Hop, là. Oups. Putain, il fallait deviner. Je suis peut-être à l'envers là, non? Oh, fais chier, je suis à l'envers. Oh, c'est dur, et hey, stop hein. Mettez des panneaux s'il vous plaît. Là ça commence à devenir difficile en vrai de découvrir les maps, genre il y a zéro info. Alors je sais pas, il y a des trucs comme tout que je vois pas, mais ça me semble bizarre. Bon, ça c'est pas fou. En plus j'étais en cam 1, j'aurais été en cam 2, j'aurais pris deux fois plus de temps. Alors ça c'est bon, c'est vu. Donc là-bas avec un stab. Aïe. Ok. Alors release into droite, release into droite. Enfin gauche, into droite, machin. Ah, fuck me. Dommage. Et donc là, je dois faire quoi? Ah, c'est là où je suis censé aller là-bas, non? Ok. Enfin, j'imagine. Ça me paraît impossible. Ça me paraît improbable de ouf. Ah bah si. What the fuck? Ouais.
faut aller tout en haut. What? Faut aller tout en haut, genre? Mais non. Bon, ça a l'air de l'avoir tryhard, donc ça c'est cool. Attends, what? Parce que jusque là, moi ça me va. Ouais, là tu vois ce que tu vois, tu fais une map ultra smooth et là t'enchaînes deux oversteers qui cassent ton rythme de ouf. En fait, c'est à partir de là, c'est pour ça que je comprenais plus trop. Bon, ça, ça va, ça passe, ça, ça passe aussi sans problème. Arrivé dirt, là, tout le dirt passe bien en vrai. Regardez la guerre de partout. Ça, aucun problème non plus. Ok. Et donc là, est-ce que j'avais raison du coup? Ah, c'est bien ça. Ah, du coup, tu water bounce. Ah ouais, non, ça par contre, non. Et ça non plus, je pense. Et là, du coup, tu sautes dans le finish. Non, là-dessus. Ok. Ça va bien parce que finish, c'était un peu haut. Donc encore une fois, j'ai pas terminé la map. Attends, mais elle est longue en vrai. Attends, j'ai enlevé ça parce que ça me saoule. Oh, j'ai pas vu, tes rétroviseurs, ils s'illuminent. Mais non. Regardez, les rétroviseurs, ils s'illuminent, c'est insane. Ah, t'as raté. 10 sur 20. Bon, là, on n'a pas pu voir les rétroviseurs. Ah, vous avez vu, les rétroviseurs, ils s'illuminent. C'est stylé. Mais c'est stylé. Trop bien. Maintenant, je vais regarder que ça quand je vois que tu vas freiner. Oh, du coup, je suis rien à la map. Mais, putain, les longues, elle est bien. Mais il y a des trucs qui vont pas. Alors, ta deuxième partie dirt. Ouh. En vrai, nice. Fallait y penser, je suis d'accord. Ok, la fin. Ça marche. Mais ouais, donc du coup, au niveau des panneaux, c'est chaud. Parce que tu fais une map de 2 minutes 24. Si tu rates un peu tes panels, en vrai, ça devient très frustrant et chiant de la découvrir. Genre. Et quand tu pars avec une mauvaise découverte, généralement, les cartes, tu les apprécies beaucoup moins. Mais bon, il y a le GPS, donc en vrai... Si vraiment t'as du mal, tu fais comme moi, quoi. Mais du coup, il y a un truc qu'il faut que je regarde. Parce que jusque-là, ça va. Celui-là, j'aime pas trop parce que tu forces un reverse pour pas grand-chose. Là, normalement, si j'ai pas bêtise, c'est comme ça. Ouais, j'ai voulu un peu trop pousser le banking, donc my bad. Alors, on arrive à l'endroit fatidique. Oh, si sous la chunk là. Ouh. Ok. Donc, à mon avis. Est-ce qu'il n'y a pas moyen en vrai? Ouais, donc en vrai, ce qui va se passer... Ok, ce qui va se passer, c'est qu'en gros, on va passer comme ça. On va passer ici. Putain, c'est dur en vrai. Ça va être dur, mais ce sera la trage. Donc en gros, on passe là pour aller chercher ton CP comme ça et sauter directement ici. À mon avis. Ou alors, moins chiant. C'est vrai, potentiellement moins chiant et moins grosse perte de temps. On saute directement là-dessus. Into là pour dodge le... Parce que le waterband, il va être dodge. Ça te fait perdre trop de temps, c'est mauvais. Le waterband sera dodge. Et là, à mon avis, ouais, t'auras plus de vitesse comme ça qu'en essayant de le cut. Pour le coup. Après, j'ai pas trop regardé pour le reste, mais pour moi, à mon avis, c'est les 2 heures que t'as fait. Ferme tout de suite ce stream. Il est bizarre, disons. Pourquoi? Qu'est-ce que ça... Comment ça se passe? Comment ça se fait? Non, mais en vrai... Bon, j'ai quand même essayé d'aller sur la scène, d'aller finir la carte. Parce que du coup, j'ai pas regardé le reste. My bad. Bon,
En vrai, j'ai envie de la jouer. Putain, t'aurais dû mettre une safe way ici en vrai quand même. Le CP il est chiant et long genre. Et il est dur. Il est archi dur. En vrai non, peut-être pas si dur que ça mais. Bon alors attends, une fois que je suis arrivé là, du coup on continue. Là j'ai vu c'était là, là c'est wallbang. Ouais clairement tu peux pas trop faire autrement. Ok, donc là, là c'est tout droit. What, t'es sérieux? Ah, la map est... Enfin, c'est bien là qu'il faut aller au moins ou... Ah non, pas du tout. Faut pas aller là, faut aller où? Ah ah! Je sais pas qu'ils me disent d'aller à droite. Faut que j'aille... Ah, il faut que j'aille là-bas. Oh, allez, s'il te plaît. Nice. Nice. Oh, let's go. Si vous voulez, dans le chat, vous avez une émote Sexy Turtle assez sympathique. Attends, c'est là où j'étais? Ah, j'avais raison. Ah ouais, donc du coup, c'est pas respawnable. Si? Ou alors c'est Fest. Non, ça passera pas FS. Mini Drift. Ah non, Dragway. Pareil, c'est pas d'abord. Ouais, il va falloir tryhard du coup. C'est respawnable? Bah je sais pas, ça avait pas l'air hein. Parce que t'es obligé de drifter. Le problème c'est que t'as pas assez de speed pour drifter correctement en arrivant dans le truc. Je sais pas hein, je pense pas. Je passe à côté de la road. Pardon. Là tu veux dire? Faut gérer le drift, ok, vas-y je prends. Ok. Effectivement, mais c'est trop précis. C'est quasi pixel parfait. Pas très drôle comme type. Qu'est-ce que tu me racontes, Dragway? Qu'est-ce que tu racontes? Ah, j'ai le seum. Presque. .285, ça passe pas. .289, ça passe. Mais du coup, en fait, c'est pas un drift. Enfin, c'est un peu plus qu'un drift. C'est un peu un néo. Un néo pour drifter plus tard, quoi. Oui, t'aurais dû enlever Rebord Noir. Parce que, en vrai, le drift ne passe pas, je te le dis. Le drift ne passe pas. Le néo passe, le drift ne passe pas. Oups. Ah par contre j'aurais pu aller chercher le CP autrement, il est vrai. Ah merde, non. Ah bah non en fait... Ah quoi que... Bah non, en passant par là j'aurais pas pu avoir la speed non plus pour sauter assez haut. Après ta map, je pense que quand tu la connais Zazimut, ta map elle doit être cool hein, de jouer. Non mais t'es sérieux? Attends, tu t'es laissé aller à la fin quand même. Oh les respawns mon pote, mais de l'enfer quoi. What the fuck.
tryhard maintenant. Mais gros, holy shit, comment ça me casse les couilles. Ouais, celle-là, elle est Oh non. Bon, on dit que je suis arrivé à la fin de la map. Ça m'a saoulé. Je vais mettre le GPS. Ça casse les couilles. Oh, il sou... Non, attends, le temps que le GPS se déroule... En vrai, c'est con parce que j'aime bien la map, mais putain, faut la connaître, quoi. Ça casse les couilles. Mais t'es un animal. T'es un animal, Dragon, j'aurais jamais eu la speed en passant comme ça. Bien ce bonsoir à toi, Bazoué Opium Sama. T'as désolé pour cette du coup petite période d'aparté dans ce testing. On arrive à la fin, je suis fatigué. Ça me saoule. Parce que ça fait deux maps consécutives qui sont casse-couilles à découvrir. Oui, je suis d'accord avec toi, Griblin, ça sert à rien. C'est des trucs qui sont anti-casu et anti-fun, genre. Ça n'a aucun intérêt. Après, c'est pour le beau jeu, je peux comprendre. Après, tant que tu fais la map pour toi ou pour tes potes ou quoi, c'est cool. Mais quand tu veux commencer à la partager un minimum, en vrai, il y a des trucs qu'il faut pas faire. Il y a vraiment des trucs qu'il faut pas faire. Et ça en fait partie. Le petit rebord sert absolument à rien. Le petit rebord sert à Walou. Jamais je la finis. Bah si, parce que si tu la d'elle, quand t'arrives ici, en vrai ça va, parce que t'as beaucoup de speed, t'as la retech, donc en vrai c'est ok, enfin je pense. Ouais, quoi que en vrai c'est... Ouais non, il faut drifter correctement quand même, c'est chaud. C'est une vraie edit, je pense pas, enfin j'en sais rien, faut demander à Zezimut. Moi j'ai jamais vu la map, c'est la première fois que je la vois, donc à mon avis... Enfin moi je peux rien dire, mais... Ah, c'est FS tout ça? Ok. Ouais, il y a beaucoup de passages qui peuvent être simplifiés. Non, après, si tu veux la faire vraiment pour le beau jeu, la map elle est cool. Hein. Moi j'aimerais bien la rouler en vrai, dans son état actuel. Moi j'aimerais bien la jouer, mais le problème c'est qu'il faut la prendre quoi. Il faut la prendre. Bon, il m'en reste deux. Il me reste la map de Etna. Et après, il me restera une dernière map qui s'appelle Ruin. Mais je sais pas qui est-ce qui l'a fait. Je ne sais pas qui est-ce qui l'a fait. Deux minutes 53. Rien que ça. Oh, c'est... Eh, c'est stylé! C'est beau ce qu'il a fait en face. No joke. Ça, c'est moins beau par contre. Big le take fuck les cubes. Ouais, j'ai vu. J'ai trouvé le GPS. Sans le vouloir. Ok, cool. Cool. Et du coup, t'es censé aller où? Là-bas? Ouais. Ouais, c'est cool. Au moins, j'aurai des safe, ouais. Contre qui et sur quoi? Bah contre qui, c'est à toi de trouver, parce que c'est pas dit que la personne que je désigne soit dispo. Pour faire un bien. Et sur quoi? N'importe. J'ai pas de map qui me donne envie particulièrement et j'ai pas non plus de gens à fight particulièrement. Après tu peux très bien me choisir de me défier à Runeterra, hein, si jamais tu joues au jeu, ou à League of Legends, j'en sais rien. Ça me saoulait de découvrir des cartes comme ça, putain.
Ok. Je sais pas si je suis sur la bonne voie en vrai. Bien évidemment que non, bien sûr. Putain. Quand ça à droite. Mais. Il s'est peut-être trompé de côté, non? Et genre dans ce cas-là, je suis censé sauter là-bas. J'en sais rien, ça me saoule. Ouais mais gros, mais les gens ils m'envoient des maps, elles font 3 minutes et elles sont... Mais genre les panneaux sont pas bons. C'est des webs pas trop naturels, je trouve. C'est chiant. Qu'est-ce que... Parce que là, tu vois, avec le landing, je sais pas où je dois aller, moi. Bon. C'est quoi cette merde? Ouais, c'est ça, je dois aller là. Je dois aller là pour récupérer ça. Repasser ici. Sauter là. Sauter de là pour aller... Quoi? Pour aller là? Pour aller là. Je dois aller là en fait. Ça a pas de sens. Putain, tu m'étonnes, mais j'ai trop du mal à découvrir des... Enfin, les cartes ou alors c'est vraiment les mappers qui font n'importe quoi. Je me pose des questions. No joke là. Ça me tilt, c'est trop mal fait, bordel. Ça me tilt de fou. Vas-y, mais Annès envoie. Parce qu'on sait jamais. J'espère qu'il n'y a plus de moments awkward comme ça. Ok. Ok, ça marche. Je vais casser quelque chose. Attends, mais pourquoi je fais ça au vrai? Ouais, mais j'ai zéro neurone en vrai. Ça va. Oh, nice! Ok. Bon, ça y est, là j'ai des trages naturels. Là je peux enchaîner, je suis content. Là, je sais pas trop là. Je partais en barrel là. Hein. Heureusement, j'ai vu le boost. Sinon, je partais en. Je crois que j'ai raté DCP. Pourquoi elle a validé en 3 minutes alors la map? What? Pourquoi elle a validé la map en 3 minutes, c'est aussi courte? Ah non, le GPS il est pas là, c'est vrai. Ok. C'est archi bizarre. Ça c'est cool. C'est vrai que là... Ouais, c'est vrai que là ça prend son sens. Mais alors pourquoi il est là le passage du haut? Je sais pas. Voilà, ça prend du sens. C'est là pour je passe pour un vieux connard grincheux. Vraiment, j'ai cru qu'il allait faire un clever, je me demandais sur quoi il voulait le faire.
Ouais, non, ça va, Insa. Calme-toi. Ok, bah écoute. En vrai, à part la fin où il y a vraiment un problème de rythme, je dirais que la map elle est ok. Elle est ok la map. J'aime pas trop le start par contre. En vrai. J'aime pas trop le start. Le start, pardon. Parce qu'il est trop comme ça. Du coup, je suis pas fan. Mais le reste, ça va. Dommage, j'ai raté. Mais je suis... Je sais pas. Ouais, j'avoue, ça a l'air robuste, mais... Jamais j'aurais pensé moi-même. Oh putain! En vrai, c'est juste de la déco à côté. Le problème, c'est que comme ça attire trop l'œil, j'ai même pas vu le dirt en dessous. Ah. Trop de speed. Ok. Ah, c'est vrai qu'au final... Non, en vrai, la map elle est pas longue, je suis respawn. Ça va mieux ton derp maintenant, Insanity? C'est pareil, je comprends pas trop. Moins que tu puisses sauter directement là-dedans avec le half-pop, puis ça m'étonnerait que tu gagnes de la speed, donc... Ah ouais, puis... Ah ouais, non. En vrai, ça va. Elle est jouable de ouf, mais il y a quand même de sales problèmes de speed. Yo, Desor, comment ça va? Ouais, je sais pas, il y a de très gros problèmes de speed qui me plaisent pas du tout. Mais bon, ça après c'est moi quoi. Ça va. Oh, welcome to Runes. Runes plutôt. By Mangor. Ah, elle est sympa l'intro. Oh, la fin a l'air sympa. Good luck and have fun. Ah, il y a deux fins. Cette fin est discutable. Bah, c'était la safe way visiblement, donc. TF en GPS. C'est pas là! Enfin, j'imagine. Ah bah si. Ouais, comme quoi. Aïe. Ok. Là. Pour l'instant, ça va. Donc, digne difficile qui nécessite de la speed, mais sinon, du reste, ok. La déco est sympa, vous. La déco est très belle. Elle est pas surchargée, ce qui est une bonne chose. Oula. Je m'imagine bien que là, ça allait être difficile. Oh, nice, ça fait longtemps que j'ai pas vu ça. Ouais, c'était sûr. C'est vrai, parce que je fais de pas la même chose. En fait, il me faudrait une troisième safe way. C'est ça qu'il me faudrait, tu vois. Il me faudrait une safe. Enfin, il me faudrait une way découverte, tu vois. Il me faudrait une way découverte. Une droite. Voilà, exactement. Une droite vers le CP. Ça m'arrangerait. Ça. Oh putain. Ah, c'était. Oh, c'est sympa comme passage, ça. En vrai. Attends, mais en vrai, la map, elle est cool à ce fait, genre. Ouais, puis... Ouais, non, là, j'aurais dû prendre la safe way, pardon.
Oui, 100% c'est pas ça le star. Je l'ai vu. J'ai vu le CP dans mon dos. Bah, comme ça, on va pouvoir vérifier la théorie. Allez hop! On est retour! Youpi! Désolé, YouTube, ça fait une longue VOD, mais. Les maps deviennent dures. Découvrir des maps, ça devient dur. C'est respawnable ça? Non, là, il faut pas aller là. Si. Wow, wow, what the fuck? Et tu respawns comment du coup? Faut sauter au deuxième. Comment tu respawn? Moi je voudrais bien savoir. Parce que là je vais avoir du mal à le faire, il y a moyen. Non mais c'est pas. C'est pas là. C'est tout le monde du. Ouais. Ouais. C'est pas fou. Ouais, du coup, c'est la fin. C'est là qu'il faut aller, non? Comment ça, les boosters respawn? Mais putain. Ah, allez, c'est bon, ça m'a saoulé. Ça m'a saoulé de ouf. On aura le cul. Ok, bah y'a pas de risque. Ok, donc c'était bien self. Ok, donc ça c'est le start. Ah, ok. Oh, j'en ai ras le cul. Oh. L'app est bien en plus, ça me saoule. L'app elle est archi cool en vrai. Ah bah elle est en best of celle-là. Et là du coup je récupère la web que je connais. Ok. Du coup je me demande comment tu prends le CP que je fais le premier CP. Ah non tu l'as déjà pris, effectivement. La CP c'est sur drift maintenant. Ah en tout. Ok, passage GPS. Nevermind. Cool. Moi déjà j'ai plus de speed mais c'est tendu. Ah oui, donc j'étais à la fin, d'accord. Ça m'a saoulé, ça me rappelle des souvenirs, du genre. Ah, j'en ai éclaté la tête. Ouais, la fin de la carte est cool. C'est pas la première fois que je la vois, vous. Mais j'avoue qu'elle est cool. Ça me fait penser, ben, c'est le quasi le même finish. Ouais, c'est le même finish en vrai. Que la map. Elle est dans le title pack. Enfin, dans mon title pack. J'ai oublié son nom. Map Red. Enfin, map du pack Red. J'ai oublié son nom. Je vais s'appeler In Trouble. Ça m'a rappelé du temps, mais j'ai retrouvé. Oula. Ah oui, putain, c'est vrai. Bon, le mapper, je connaissais plus, mais bien joué. J'avoue. Ah. Ok. Pourquoi je fais ça? J'étais en mode, j'ai déjà pris le CP. Genre, je savais plus si j'avais déjà pris le CP ou non. J'étais plus sûr.
J'étais plus sûr du tout. Oh merde. Ouais, ça c'est pas le genre de map que je peux forcément apprécier dans le test de ma vie. En tout cas, à l'heure actuelle, je suis trop mauvais en découverte de map. Enfin, dans les premières cartes, généralement ça va, mais arrivé à la fin, j'en ai ras le cul quoi. Je crois que j'ai juste mettre une deuxième fois le GPS. Parce qu'en vrai, la map elle est archi cool. Elle est clean et tout. Elle est full originale en plus, ça change. Mais enchaîner deux CP, c'est pas possible quoi. Enfin, quand tu respawn en chaîne de CP, c'est plus possible. Dernière fois. Et après, j'éclate mon ordinateur. Ok, ça. Ok, c'est bon. Oh, t'es malade, si. On leur dit ça fait longtemps que j'ai fini de payer. Après, elle commence par un A. Ouais, non, ça c'est une mauvaise idée. Le prochain test map viewer, je ferai en ordre random. Enfin, je ferai en page random. Parce que sinon, je vais avoir que des A et des hashtags et ça va être chiant. Ah, il faudrait toujours que je le fasse de manière random. Hein. Comme ça, les gens ils peuvent pas aim. Ils ne sauront jamais. J'arrive à l'heure à laquelle les taggers se couchent. Ceux qui l'ont en vrai, respect. Vous venez de la pro street. C'est vrai, que j'en ai besoin pour jouer à Runeterra. En vrai, là, je vais arrêter le live juste après. Parce que si je sens que si je lance Runeterra et que je peux péter défoncer sur. Parce que je suis unlucky sur 3 games d'affilée, je vais vraiment péter un câble. J'ai pas envie. J'ai pas trop envie de montrer ça. Hugo TSR, let's go! C'est là la best! Aïe aïe aïe. Bon, j'allais dans le best-up pour la rejouer un jour, de toute façon. Ah là là. Bien joué, c'est là. Hop, best-up. Voilà. Donne un peu de toi et tu verras. On te le rendra. Hey! Une seconde. Adversarius a été censé être dans le. Ouais, celle-là. Non, Adversarius, elle va dans le best-of, celle-là. La map TMGL aussi de Team Music, elle va dans le best-of celle-là. Attends. Je clique. Crodo, Aerian Waves. Aerian Waves. Hop, best-of. Tac. Ensuite. Je pense que c'est bon. Ça, c'est map P, donc j'ai pas à mettre en best-of, ça n'a aucun intérêt. Oh, la map de Mosky. Si, en vrai, la map de Mosky, je la veux. Calypso. C'est là, faut que je te fasse jouer cette carte. Faut que je te montre cette carte. Tout ça, non. Minute de Loxios. Minute est sympa. Minute, hop. Celle-là va dans le best-of. Matrice, du coup, on avait dit non. Celle d'Adripine non plus. Sagittarius de Bulgork, pas dans cet état. Avec un update, ça pourrait être bien. Shaker. Shaker, c'est la bonne map d'Earth, ouais. De Arca. Je sais plus. Non. C'est pas celle-là, c'est une autre. Ok. Space Fan, machin. Ok, on est bon. Et donc, du coup. Tac. Et c'est. J'ai oublié. Calypso. Ah, il y a Calypso, Betrong. Ok. Et du coup, YouTube, à plus. Surtout.